Donc Sylvie Fatou, toi tu as appris quel métier? Tissage, couture. Donc elle, elle apprend beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle a appris le tissage dans le cadre d'une autre formation, au métier d'artisanat d'art, ça c'était dans notre projet au palais. Et puis elle a appris aussi la couture. Comme elle a très vite appris le tissage, elle a aussi pris ces deux métiers ensemble. Et elle sait aussi faire donc, le tressage de nattes, c'est, quand c'est fini c'est comme ça. Donc c'est des jolies nattes tressées sur lesquelles les enfants dorment. Ils ont des lits mais on leur met ces nattes-là dessus. Donc ça c'est un petit métier qui est facilement source de revenus, puisque l'idée c'est que quand elle partira du centre, elle pourra gagner sa vie, quoi. Alors ici on est devant les ateliers, donc il y a l'atelier de tissage, tout à l'heure il y avait la formatrice qui est là, elle s'appelle Alice, donc elle a beaucoup d'enfants avec elle parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont attirés par cette activité-là. Ça paraît compliqué, mais en fait les enfants apprennent quand même assez rapidement à tisser ces pannes qui servent donc à la fois comme panne de tête, mais aussi pour porter les bébés. Donc c'est quand même très très utilisé par la plupart des femmes.